Cette prédication d'Église de Portail, nous terminons notre série C'est quoi le rapport où on, on étudie, on regarde, on prêche des textes qui vous laissent perplexes, qui nous laissent perplexes. Donc il y a un sondage et il y a cinq textes qui ont émergé comme étant les plus obscur de la Bible, c'est-à-dire des textes, on se dit, mais c'est quoi le rapport Et je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup de plaisir à prêcher cette série, j'ai toujours beaucoup de plaisir, c'est un honneur de prêcher la parole de Dieu, de prêcher la bonne nouvelle de Jésus, mais vraiment de, de creuser dans ces textes difficiles et de voir comment la parole de Dieu, elle est, elle est bonne, elle est douce, elle est vraie, elle est cohérente. Et pour ce dernier message, nous faisons un bond dans le Nouveau Testament. Après quatre messages dans l'Ancien Testament, on a vu les fils de Dieu qui vont vers les filles des hommes, on a vu l'inceste des filles de Lot. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'histoire d'Élisée avec les ours, on a vu euh, la concubine euh, mutilée. Maintenant, on va regarder le texte. C'est probablement le miracle de Jésus qui laisse les gens le plus perplexes. C'est le fameux texte des cochons possédés par les démons. Les cochons, les porcs, possédés par les démons. Donc, Marc 5, j'ai fait la lecture du récit au complet. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer dans le pays des Géraséniens. Aussitôt que Jésus débarquait, débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint devant lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds, avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accouru, se prosterna devant lui, s'écria d'une voix forte Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait Sors de cet homme, esprit impur. Il lui demanda Quel est ton nom Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le supplia instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là près de la montagne un grand troupeau de pourceaux en train de paître. Et les démons supplièrent Jésus en disant Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyèrent. Ceux qui les faisaient pâtre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans les villes ou dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque ainsi qu'aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait afin de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit Va dans ta maison vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se met à publier dans la décapole, donc la région où il y a dix villes. Tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'admiration. Wow. 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 Maintenant, c'est quoi le rapport entre les démons, la Légion et les cochons? Euh, maintenant, ici, on voit un texte où il y a un démoniaque, et d'emblée, okay, c'est important, il y a plusieurs croyances, plusieurs conceptions du monde spirituel. Et avant de regarder ce texte-là, euh, c'est important de, de quand on fait l'analyse. Il y a huit récits de démonisation. Okay, c'est comme ça qu'on le dit littéralement dans le Nouveau Testament. Et il y a quatre choses souvent que les chrétiens ne font pas. Il y a quatre choses que tu dois faire. Premièrement, tu dois passer du sensationnel. Au spirituel. La conception du, croix, du chrétien moyen sur les démons, la démonologie, la possession vient beaucoup plus de l'exorcisme que de la parole de Dieu. Vous savez, il y a des gens présentement, si on pose la question sur qu'est-ce que tu penses des grands requins blancs, la majeure partie de la population, sa conception du requin vient du film des dents de la mer. Maintenant, les requins, les requins sont réels, ils sont dangereux, mais ils ne sont pas partout. Maintenant, je ne dis pas que les démons ne sont pas partout, je dis simplement que tu dois pas voir des démons partout. Euh, mon fils, lorsqu'on sortait de l'église, pour ceux qui ne savent pas, à Laval, on est à côté d'une rivière, la rivière des Méliles, et, et mon fils me disait, « Papa, » régulièrement sortant de l'église, « Papa, est-ce qu'il y a des requins là-dedans? Est-ce qu'il y a des requins là-dedans? » Parce que pour lui, sa conception, il a vu les dents de la mer, puis pour lui, il y a des requins partout. Maintenant, les démons sont réels, mais tu dois passer d'une conception qu'on pourrait dire sensationnelle, une conception spirituelle. Deuxièmement, ce texte-là et tous les textes où Jésus chasse les démons, et je l'ai souvent enseigné, écoute-moi bien, c'est une description, c'est pas une prescription. Le but de ces récits-là n'est pas de nous donner une méthodologie, mais de nous enseigner une christologie. Le but de ces récits-là n'est pas de nous enseigner les sept étapes pour chasser des démons, mais le but est de nous enseigner que Jésus est Seigneur. C'est euh, C. Sproul qui dit « L'intention de ce récit est de révéler le caractère de Jésus, augmenter notre compréhension de la divinité, de la majesté, de la puissance de Christ. » Maintenant, je veux juste te rappeler quelque chose. Okay. Tu n'es pas Jésus. Hein, souvent, on lit les évangiles des chrétiens, et « chrétien » veut dire « un petit ». Christ, un petit Jésus, et il y a des choses qu'on fait comme Jésus, mais il y a des choses que Jésus a fait qu'on n'est pas appelé à faire. Hein? Je ne sais pas pour toi, mais moi, lorsque je vais dans ma piscine, je ne marche pas sur l'eau, je coule. Je ne suis pas Jésus. Euh, lorsque je dois payer mes impôts, je ne dis pas au gouvernement, Legault et Trudeau, « Attendez, je vais aller pêcher un poisson, et dans l'intérieur des poissons, ils vont avoir l'argent pour payer mes impôts. » Jésus faisait ça. Ce n'est pas parce que Jésus le fait, c'est une description, que c'est une prescription pour tous les croyants. Lorsqu'une tempête au Québec, j'aimerais être capable de calmer la tempête. Mais non, je ne suis pas Jésus. Euh, j'aimerais ressusciter les morts. En tant que pasteur, j'ai fait des dizaines de funérailles. J'ai vu des dizaines de gens mourir, des centaines de gens mourir. J'aimerais ressusciter les morts. La réalité, je ne suis pas Jésus. Ce texte-là est une description, il n'est pas une prescription. Et on voit qu'il y a huit récits dans la Bible de, de rencontres entre Jésus et des démoniaques. Et ces huit récits se déroule essentiellement au début du ministère de Jésus. Pourquoi? OK, vous savez que j'ai un petit chat à la maison et mon chat, il regarde à la fenêtre, puis il à la fenêtre, puis il peut voir un chien, puis il ne va pas réagir, il va voir un chat, il ne va pas réagir. On a des lièvres, on a des moufettes, on a, on a... chez les brassards, là, on, a, on, a la f... on a la faune. Mais lorsqu'il voit des oiseaux, il y a comme une réaction. Et là, il réagit. Ça, ça va susciter quelque chose en lui. Pourquoi est-ce qu'on voit plusieurs manifestations démoniaques. Parce que lorsque le Fils de Dieu a marché sur la terre, ça a suscité quelque chose d'unique. Les démons sont réels, ce n'est pas unique. Mais la réaction démoniaque, elle est particulière. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus est arrivé et pourquoi il a chassé les démons, surtout dans la première portion de son ministère, avant son enseignement. Pour démontrer qu'il est véritablement le fils de Dieu, à un moment donné, Jean-Baptiste envoie des disciples en disant Jésus, est-ce que tu es vraiment le Messie Puis Jésus va guérir des gens, puis il va chasser des démons, puis il va dire allez dire à gens, voyez-vous là Voyez, ce qui vient de prendre place, je suis le Messie. Jésus a fait euh, chasser des démons pour démontrer que le royaume de Dieu maintenant est arrivé. Donc, encore une fois les chrétiens on est encore aux prises avec les démons, mais le combat spirituel ne se fait pas de la même manière. La troisième chose, donc, tu dois passer du sensationnel au spirituel, tu dois passer de la prescription à la description. Et en passant dans les dons spirituels, il n'y a pas un don de chasser les démons, hein, c'est intéressant. Dans les épîtres, Paul n'en parle pas. Et on doit passer d'une conception de la, de la possession à la démonisation. Souvent, lorsqu'on voit ces cas-là, on, on s'imagine des cas de possession. Le cas qu'on voit ici, c'est un cas ultime, c'est probablement et assurément le cas le plus grave. Mais la Bible parle, lorsqu'elle parle de démoniaque, de démoniaque, littéralement en grec, c'est des démonisés. La Bible parle de démonisation, non pas de possession. La Bible parle d'une influence démoniaque sur l'humanité. Et cette influence-là varie d'une personne à l'autre. Maintenant, tu dois comprendre que dans les huit cas qu'on a, il y a plusieurs cas où il n'y a pas de manifestation comme on voit là. Il y a des cas beaucoup plus sobres. N'empêche. Il y a une influence, il y a une cause spirituelle derrière les mots de l'humanité, et c'est ce que Jésus va dire. Par exemple, quand on parle de démonisation, je fais un parallèle. On parle d'alphabétisation, hein, soit un nouveau arrivant ou nos enfants, on les envoie à l'école. Pourquoi? Dans un processus d'alphabétisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils entrent dans un processus pour apprendre à lire et à écrire. Maintenant, un enfant de première année, ce n'est pas vrai qu'il va faire un doctorat en littérature après sa première année. Hein? Il a appris les rudiments, mais encore une fois, dans le processus, il est en première année. De la même manière, on voit que tous les cas de démonisation ne sont pas égaux. Il y a un spectre. Et le point commun, c'est qu'il y a une influence spirituelle dans ce que ces gens-là souffrent. Et la dernière chose, avant de prêcher ce texte-là, c'est que contrairement à ce qu'on croit, aujourd'hui dans la culture évangélique populaire, on croit que les cas de démonisation qu'on voit dans la Bible sont dus à un péché personnel. Mais encore une fois, je te défie de lire tous ces cas. De lire, par exemple, l'enfant épileptique, de lire le cas de la fille de la cananéenne, de lire l'exemple des deux muets, de celui qui est aveugle, de lire l'exemple de... Il y a plein de cas de la femme courbée, de l'homme dans la synagogue. Quand tu regardes ces cas-là, jamais la Bible dit que leur état que l'influence démoniaque dans leur vie est due à un péché personnel. Jamais. C'est toujours pour démontrer que le monde spirituel, que Satan a une influence universelle. C'est intéressant parce qu'à un moment donné, il y a même un enfant qui est démonisé. Donc, un enfant, c'est qu'on ne peut pas dire c'est un franc-maçon qui était dans le voodoo. C'est une victime innocente. La Bible dépeint, et ça, ça nous surprend, les démoniaques, les démonisés. La Bible là, les dépeint avec beaucoup de compassion parce qu'ils ne sont pas responsables de leur état. Ils sont vus comme des victimes qui souffrent de différents maux, au niveau mental, au niveau physique. Et c'est pourquoi Jésus, lorsque Jésus arrive, il ne veut pas les délivrer. La Bible dit qu'il va les guérir. Tu vois ça dans, les, dans Luc, il va dire à un moment donné, il va guérir les démonisés. Dans Acte 10, 38, ça veut dire que Jésus allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Donc, écoute-moi bien. C'est important de mettre la table avant d'arriver dans ce texte-là. Jésus chasse les démons, non pour démontrer qu'il y a un péché personnel derrière chaque difficulté ou chaque maladie, mais pour démontrer qu'il y a une cause spirituelle générale derrière la souffrance de l'humanité. Jésus est venu pour sauver et restaurer cette humanité souffrante. Et oui, nous souffrons à cause du péché, mais nous souffrons à cause aussi d'une influence démoniaque satanique dans notre monde. Donc, ce texte-là nous enseigne dix choses sur Jésus. Et la première chose, Jésus est plus compatissant. Ici, on a un homme, nous on voit un démoniaque, puis... As-tu remarqué que c'est jamais nos personnages bibliques préférés, là? Hein? jamais. Si je te pose la question, quel est ton miracle préféré? Il n'y a personne qui va dire, ah, moi, c'est le démoniaque. Si, ça, c'est mon miracle préféré. Généralement, on n'a pas, pas beaucoup de compassion. Hein? Parce que, encore une fois, on se dit qu'ils ont probablement ce gars-là. S'il est rendu démonisé à ce niveau-là, probablement que c'est un pervers, c'est un abuseur, probablement qu'il a été dans l'occulte, puis finalement il a donné accès au diable et il a ce qu'il mérite. On ne le dira pas, mais c'est ça ce qu'on pense. Et Jésus voit un homme qui souffre, un homme qui a une souffrance spirituelle, il a un esprit impur, un homme qui a une souffrance mentale, physique, c'est un homme qui a perdu sa dignité, c'est un homme qui est nu, il se promène, errant, c'est un marginalisé. C'est un homme qui est isolé, c'est un sans-abri, qui vit dans, les, dans le cimetière. C'est un homme qu'on considère comme un animal, qu'on l'attache avec une chaîne parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. C'est un homme qui crie nuit et jour, c'est un homme qui est épuisé, c'est un homme qui est désespéré, c'est un homme qui, qui, qui est en train de s'auto-mutiler. Et Jésus a compassion. Jésus, lorsque nous, on lit ce texte-là, notre manque de compassion pointe vers la compassion de Jésus. Hein, on, on comprend mal les gens qui souffrent. Et quelle bonne nouvelle de savoir que nous avons un Sauveur qui comprend et compatit. Mon histoire, une de mes histoires préférées tant que Pasteur, c'est celle de Chuck Swindle, qui je l'ai déjà raconté, qui va prêcher dans une conférence de, de, de Pasteur à Spokane, je pense. Puis à un moment donné, il y a un homme qui vient le voir et lui dit Pasteur Swindle, vous êtes mon, mon, un de mes pasteurs préférés, j'écoute toutes vos prédications. Puis moi, mon rêve, c'est de venir vous entendre prêcher en live, en réel. Puis cette semaine, donc je vais vous entendre toute la semaine, puis je suis tellement béni, je suis reconnaissant pour le Seigneur, puis bon. Et à chaque réunion, à chaque enseignement, l'homme s'assoit en avant avec sa femme, puis rapidement il commence à s'endormir. Le, le, le premier soir, Swindle se dit bon, mais probablement qu'il est fatigué, il fait beaucoup de route. Le deuxième soir, encore une fois, il s'endort. Troisième soir, quatrième. Il s'endort de plus en plus rapidement. Et au fur et à mesure que la semaine avance, Swindle devient de plus en plus est gris, en colère, parce qu'il se dit, écoute, au moins, va t'asseoir en arrière ou reste, reste dans ta chambre, va te coucher. Viens pas me dire que je suis ton prédicateur préféré pour venir dormir dans ma face, comme on dit au Québec, dans mon visage pendant trois quarts de ma prédication. Puis, tu sais, vous savez, des fois, les pasteurs, on est comme ça, on prêche, mais on, est, on voit ce qui se passe. Hein? Et euh, à la fin de la semaine, la femme de l'homme vient le voir, elle lui dit, merci, pasteur, merci pour votre semaine. Je juste vous dire je m'excuse que hein, mon mari s'est beaucoup dormi cette semaine parce que mon mari a le cancer puis il vient d'apprendre qu'il est en phase terminale puis on lui donne des médicaments pour apaiser sa douleur puis, puis je lui ai posé la question c'est quoi ton rêve avant de mourir puis il dit, moi mon rêve c'est d'entendre le pasteur Swindoll prêcher pendant une semaine. Ça a été une grande leçon pour lui. Vous savez des fois on a de la difficulté à se mettre dans les souliers des gens et on a de la difficulté à se mettre dans les souliers de cet homme qui souffre et Jésus est plus compatissant. C'est ce que la Bible enseigne. Jésus aussi est plus pur. OK. Ce qui prend place dans ce texte-là, et si tu connais un peu ta Bible, tu comprends que dans la religion de l'époque, il y a un concept qu'on appelle le concept d'impureté. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu es dans un état d'impureté rituelle. Il y a des choses autour qui te rendent impur et tu dois te purifier avant de t'approcher de Dieu. Pour comprendre, hein, c'est comme les hommes vont comprendre. Puis, pardonnez-moi, madame, euh, vous savez, des fois, on arrive, on va au petit coin, dans un restaurant, un endroit, tu arrives dans la toilette, il y a un homme qui est à l'urinoir, c'est un de tes amis, il a terminé, il se retourne, il voit, puis, Hey, salut! Puis que, euh, non, 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 ne me touche pas, arrière de moi. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te faire contaminer, va avec tes mains avant. C'est exactement la même chose. La Bible dit que l'être humain pécheur, on ne peut pas s'approcher à Dieu, on, on va souiller Dieu. Donc, on doit être dans un état de pureté rituelle. C'était la religion dans ce testament. Et ce qui te rendait impur, c'est plein de choses. Maintenant, écoute, cet homme-là, la Bible dit qu'il a un démon, mais il a un esprit impur. Donc, spirituellement, il est, in il est disqualifié de s'approcher de Dieu. La Bible dit que Jésus arrive dans le pays des Géraséniens qui est, ici tu as le, le lac de Tipiriade, c'est du côté, du côté est, donc tu es dans un pays païen. Cette histoire-là, tu as un homme impur qui habite dans un pays impur, qui, qui est dans un lieu impur. Dans la loi, dans ces testament, quand tu, tu touches un mort, une pierre tombale, tu es dans un état d'impureté. Et en plus, il y a différents animaux qui étaient purs et impurs, et, et les peurs sont impures. Donc, écoute bien. T'as un homme qui est l'impureté ultime, qui a un esprit impur dans un pays impur, dans un lieu impur, dans un animal impur. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus vient pour le purifier. Hein, souvent, on a cette impression qu'on doit s'améliorer avant de s'approcher de Jésus, hein, qu'on doit faire du ménage dans notre vie avant de s'engager. La Bible n'enseigne pas ça, la religion l'enseigne, la Bible n'enseigne pas ça, la Bible enseigne, viens à Jésus tel que tu es, avec tes souillures, avec ton péché, avec ta crasse, avec ta saleté. Il est plus pur que n'importe quoi et tu ne peux pas le salir. Mais lui il peut te purifier, puis il peut te pardonner. Et cet homme-là, lorsqu'il voit Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne, puis lui dit, Fils du Très-Haut. Il reconnaît que Jésus est plus haut que n'importe quoi. C'est intéressant. Hein? Cet homme-là va faire ce que même des chrétiens ne font pas. Il, va, il y a une soumission puis il y a une confession. OK, reste avec moi. La Bible dit que les démons croient en Dieu, mais ils tremblent. En théologie, dans l'histoire de l'Église, on dit qu'il y a toujours trois dimensions à la fois. Okay? En latin, je te le donne, tu pourras répéter ça dans ton brunch dimanche prochain, tu vas paraître très brillant. Il y a notitia, ascensus et fidesia. C'est trois étapes. Premièrement, quand on parle de la foi, c'est possible d'avoir la connaissance. En tu m'entends prêcher, tu peux comprendre ce que Jésus a fait à la croix, tu peux comprendre le christianisme, donc tu as une certaine connaissance. Mais tant la connaissance ne sauve pas. Tu dois prendre ces vérités, ce Jésus-là, et croire que c'est vrai. Il y a plein de gens qui comprennent le christianisme, mais le rejettent. Donc, tu dois passer de la connaissance à la croyance. Mais c'est pas tout. La croyance ne sauve pas. La foi qui sauve, c'est la confiance en Jésus. C'est pourquoi les démons, les démons connaissent la Bible. Les démons savent que Jésus est sauveur et Seigneur, mais ne sont pas sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la confiance. Maintenant, ce texte-là nous dit que Jésus est plus haut et tu peux faire confiance à Jésus. Il est digne de confiance. Et c'est intéressant parce que dans toutes les religions du monde, même dans les religions où il y a plusieurs dieux, il y a toujours cette notion qu'il y a un Dieu supérieur. Et ce démon-là reconnaît que Jésus est supérieur à n'importe quoi. Je fais une petite parenthèse pour des gens qui commencent à suivre Jésus, qui, qui, qui commencent. À, 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 vraiment à, à vivre le christianisme et la vie chrétienne. Puis je veux te rappeler une grande vérité. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur en Dieu et les hommes. En tant que chrétien, tu n'as pas à prier grand-maman, tu n'as pas à prier pour des proches qui sont partis, qui sont morts, tu n'as pas à prier les saints, tu n'as pas à prier, peu importe, un ange gardien. Pourquoi? Parce que Jésus est plus haut. La Bible nous enseigne qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus. Exemple, je ne sais pas pour toi, moi j'aimerais aller sur la Lune. Tu aimerais aller sur la Lune? Il y a plein de gens qui veulent aller sur la Lune, mais ce n'est pas facile. Hein, tu peux prendre un billet d'avion pour aller sur la Lune, ça ne fonctionne pas. Tu peux louer un hélicoptère pour aller sur la Lune, ça ne fonctionne pas. Parce qu'à un moment donné, quand tu vas, tu vas monter dans l'atmosphère, à un moment donné, il y a une transition, tu vas arriver dans l'espace ça marche plus. Ça va exploser, c'est comme. Parce que tous les moyens de locomotion terrestre qui te permettent de voler une limite. Ah, c'est un peu la même chose. Hein? Il y a des gens qui se confient dans toutes sortes de choses autour de toi, mais grand-maman, c'est un hélicoptère qui ne se rend pas à Dieu. Hein? Ton, ton ange gardien, c'est un, un avion qui ne se rend pas à Dieu. Il y a juste une chose qui se rend à la Lune, c'est une fusée. Jésus seul est celui qui te permet d'accéder à Dieu. Il est très haut. Il n'y a aucun moyen plus haut que Jésus. Les démons le reconnaissent, reconnais-le. Et la Bible nous dit que Jésus est même plus fort. Il va nous dire, quel est ton nom? Encore une fois, ce n'est pas une méthode. Quel est ton nom? Il va dire, Légion. Légion était une garnison de environ 5000 soldats romains. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus arrive est à la limite. Okay, dans le territoire païen. Donc, le Jourdain fait une, une frontière naturelle, tu as Israël. Et dans ce territoire-là, tu as un paillet, tu as un paquet de légions romaines qui sont stationnées là. Donc, lorsque Jésus arrive dans le pays des Géraséniens, c'est le territoire où les, les troupes romaines sont stationnées. Pourquoi? Parce qu'Israël, politiquement, c'est un paquet de troubles et on se prépare à envahir Israël. Donc, on est là. On est sur le banc. Et c'est intéressant parce que Lorsque le démonisé va dire mon nom est Légion, tout le monde comprend qu'il y a comme il y a un parallèle. C'est-à-dire, les légions romaines, il n'y avait rien de plus fort qu'une légion romaine. Lorsque la légion romaine arrivait dans ton village, c'était une mauvaise nouvelle. Dans le monde de l'époque, la légion romaine, c'est la chose la plus puissante. Et Jésus va démontrer qu'il est plus puissant que ce que les hommes considèrent puissant. Maintenant, c'est intéressant parce qu'il dit on est, on est Légion, on est 5000. Jésus n'est pas impressionné. Hein? Tu peux avoir 5000 problèmes, je suis pas impressionné. Tu peux avoir 5000 péchés, je n'est pas impressionné. J'ai lu que, vous savez, dans les paris, je ne fais pas l'apologie de la défense des, des, des paris, mais il y a eu un, une situation qui s'est déroulée où, en Angleterre, euh, les, les, ceux qui prenaient les paris n'ont pas fait faillite, mais presque, ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Pourquoi? Au début de la saison, tu sais, il y a des cotes. Hein? Combien, mettons, 3 contre 1, 10 contre 1, c'est vrai ou dans, ou dans le sport. Tu sais. Puis au niveau du football, au niveau du soccer, il y avait un club qui était le club le plus poche de la Ligue et on disait que ses chances de gagner sont, sont de 5 000 contre 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a 5 000 personnes qui viennent t'attaquer, il y a des bonnes chances que tu ne gagnes pas. C'est ça que ça veut dire, OK? 5000 contre 1, tu n'as aucune chance de gagner. Ce qui est arrivé, c'est que ce club-là a gagné le championnat. Ah, il y a des gens qui ont fait des millions. Il y a des gens qui, qui croyaient alors qu'un club qui n'avait aucune chance contre 5000, il y a des gens qui avaient la foi. Maintenant, si des gens ont la foi pour leur club de soccer, tu peux avoir la foi pour Jésus. Jésus est plus fort que n'importe quoi. Il n'y a rien de trop fort, de trop puissant, de trop nombreux pour Jésus. J'aime ce que John Knox a dit, un réformateur. 16e siècle, il le dit un homme ou une femme avec Dieu est toujours en majorité. Ah, tu peux être seul. Tu peux être seul. À la maison, tu peux dire il y a sept personnes qui ne servent pas Jésus. Au travail, tu es seul, tu te dis il y a mille personnes qui servent pas Jésus. À l'école, je suis seul dans ma classe il y a 40 personnes qui ne servent pas Jésus. Mais peu importe, si tu es avec Jésus, tu es la majorité. Parce que celui qui est avec Dieu est toujours plus fort, parce que Dieu est plus fort. Et ce récit-là nous enseigne que Jésus est non seulement plus haut, il est plus fort, il est plus victorieux. Lorsqu'il dit au démon, Sors, ils vont dire Est-ce que tu es venu Et là, je fais un parallèle, parce que ce texte-là se retrouve dans Matthieu et dans Luc également. Et dans Matthieu, ils vont dire Es-tu venu nous tourmenter avant le temps ils savent qu'il viendra un temps, la Bible la parle du jugement dernier, où Satan et ses démons seront jetés dans les temps de feu. Les démons le savent. Ils savent que leur fin est proche. Mais ils disent à Jésus, eh, mais il semble que c'est pas le temps encore. C'est pas encore la fin. Donc, est-ce que tu viens avant le temps? Et la Bible, dans Luc, ils vont dire, ne nous envoie pas dans la Bible. La Bible, c'est l'endroit où, où Dieu tient les démons confinés pour leur jugement. Donc, ils envoie-nous pas, c'est pas encore le temps. Et c'est intéressant parce que, en fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est pas encore le temps, mais ils savent qu'un jour viendra le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce miracle-là démontre que Jésus est victorieux, mais Jésus est encore plus victorieux. Parce que la Bible dit, et je l'ai souvent enseigné, Jésus à la croix est venu enlever la pénalité du péché sur ta vie, te pardonne. Mais ce pas tout. Il est venu briser la puissance du péché dans ta vie. Donc, Jésus n'est pas seulement venu mourir à la croix pour te pardonner, il est venu pour te donner par son esprit la puissance de vaincre le péché. Mais Jésus est venu également pour nous donner l'assurance qu'un jour, non seulement il brise présentement la puissance du péché, mais un jour il va briser même la présence du péché. En fait, ce texte-là nous enseigne qu'il viendra un jour, et il n'y aura plus de mort, de deuil, de larmes, de péché, de Satan, de démons de dépression, d'anxiété, de divorce, de deuil. Quel espoir de savoir qu'un jour, Jésus est non seulement venu nous donner la victoire, la puissance, mais il nous promet qu'un jour, même, il n'y aura plus de puissance, plus de présence. À la maison, euh, ma femme vient me voir un moment donné en panique, dans notre cabanon à l'extérieur, elle dit J'ai vu des souris, j'ai vu des souris. Vous savez? Et là, j'aurais pu débattre avec elle puis dire, non, mais. On n'a jamais vu dans les nouvelles une souris manger une femme. Là, ça, je veux dire, il n'y a pas de danger, la souris ne va pas t'attaquer. La souris a plus peur de toi que tu as peur d'elle. Mais ce n'est pas suffisant. Okay? Même si elle sait qu'elle a la puissance, son seul réconfort, c'est qu'il n'y plus de souris. C'est qu'un jour, qu'elle se dit, l'assurance qu'il n'y a même pas de présence de souris. Donc, en tant que mari, c'est moi qui dois régler ça. Mais il y a quelque chose dans nos vies où on peut savoir que Jésus nous donne la victoire, mais il y a des choses qui sont encore là. Hein, on croit par la foi qu'on est plus que vainqueur, mais on vit des épreuves, on vit des difficultés, des situations. Dans, hein, on vit la vie ordinaire, la vie pas facile. Puis il y a des choses qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui ne partent pas, puis qui ne vont jamais partir jusqu'à ton dernier souffle. La bonne nouvelle, c'est qu'un jour, dans l'éternité, ces choses, les premières choses ne seront plus. Que ce soit une souris, que ce soit des dragons, que ce soit... Tout ce qui te fait souffrir, Jésus plus que victorieux. Et la Bible nous enseigne également que Jésus est plus permissif. Ça, c'est intéressant. Les démons vont dire à Jésus Envoie-nous dans les cochons. C'est intéressant, la Bible va dire, verset 19 Il leur permit. Pourquoi Jésus permet T'sais, Moi, si je, si je suis Jésus, c'est comme Hé, hey, hein, non, non. No oui. Non oui. Pourquoi je te ferais grâce? Tu es un démon, voyons. Puis on ne comprend pas pourquoi Jésus permet. Puis ce qui est encore plus, plus dérangeant, c'est qu'à la fin du récit, l'homme va demander à Jésus de pouvoir rester avec lui. Puis la Bible va dire, il va reprendre le même verbe, il ne lui permit pas. OK, moi si j'étais cet homme-là, je disais Ok, time out, time out, Jésus. Tu permets des affaires au démons, puis moi, tu ne me permets pas de rester avec toi. Il y a quelque chose dans ton plan qui n'est pas cohérent. Puis en fait, Jésus, et là, je, je veux pas être mal compris. Vous savez, Jésus est tellement, non seulement puissant, il est tellement génial que tout ce qu'il fait dans ses miracles, il, il en rajoute un peu. Vous savez, là, je ne veux pas être mal compris, puis Jésus ne fait pas orgueil mais vous savez, au basket ou au, au football ou au hockey, des fois, tu peux faire un point, mais tu peux mettre un peu de moutarde. Hein, tu peux comme faire un deux points, puis tu peux faire comme. Tu sais, te rajoutes de la moutarde. Comme tu peux au hockey, tu peux faire une feinte. Comme tu peux prendre la rondelle, arriver derrière le filet ou arriver de faire un but au football. Puis tu mets un petit peu de moutarde. Puis, puis Jésus met un petit peu de moutarde spirituelle. Pourquoi? Non seulement il est victorieux, mais il ne se contente pas d'être victorieux. Il en rajoute une couche. Il leur permet. Pourquoi? Il permet aux esprits, à l'esprit impur de sortir de l'homme pour aller dans des animaux impurs. Puis Jésus sait qu'est-ce qui va se produire. Ce n'est pas Jésus qui envoie les cochons dans l'eau, mais les cochons, dès que les démons arrivent, il y en a 2000, se lancent dans la mer, puis vont se noyer. Nous, on ne comprend pas trop, mais pour les gens de l'époque, non seulement ils savent que les cochons sont impurs, la mer, c'est le lieu du chaos. La mer, c'est la chose que tu peux, la, la, la chose que tu es incontrôlable, c'est la force. De la force destructrice. D'ailleurs, quand Jésus va calmer la tempête, il hein, y a de la moutarde là-dedans. Là, c'est n'est pas juste calmer la tempête pour avoir de la bonne météo pour un beau soleil. Fais-toi bronzer. Il y, y a quelque chose de, de, pour démontrer que Jésus règne sur le chaos. Et dans la Bible, l'eau est souvent signe du jugement. On l'a vu avec le déluge. Et c'est pourquoi Amiché va dire, Dieu va dire, un jour je jetterai vos péchés au fond de la mer. Et c'est pourquoi dans l'Apocalypse 21, on dit qu'il viendra un temps où la mer ne sera plus Hein? En fait, on parle de cette main qui symbolise tout le chaos. Et c'est pour ça que Jésus permet, on ne comprend pas, mais en fait, c'est Jésus en rajoute une couche pour démontrer combien il est extraordinaire. Maintenant, je fais une application. Des fois, dans nos vies, je ne sais pas pour toi, mais des fois, moi, j'aime Jésus. Je suis Jésus. Mais des fois, je ne comprends pas Jésus. Des fois, je ne comprends pas ce que Jésus fait dans ma vie fait dans la vie de mes proches. Des fois, je vois ce que des gens vivent, puis je ne comprends pas ce que Jésus est en train de faire dans leur vie. Comme cet homme qui ne comprenait pas, tu, tu, tu viens, pourquoi tu as comme compassion l'esprit un peu, tu l'envoies dans les cochons, puis les, les, les hommes qui, qui sais 2000 cochons, c'est beaucoup d'argent, puis ils perdent leur, leur économie, puis on ne comprend pas. Il y a une grande vérité biblique qui dit, dépends de Jésus, même quand tu ne comprends pas Jésus c'est des fois, on comprend ce que Jésus fait, mais des fois, on ne comprend pas. Mais le chrétien fait foi et a confiance en Jésus, même quand on ne comprend pas Jésus. Donc, dépend. C'est dans une saison de ta vie où tu ne comprends pas ce que Jésus est en train de faire. Dépend de Jésus, même si tu ne comprends pas Jésus. Parce que cet homme ne comprenait pas, mais il y a quelque chose de glorieux que Jésus est en train de faire. Et ce qui est encore très, très, très drôle, c'est que par la suite, donc, les cochons vont tomber, les hommes vont partir, vont aller par au village, les gens arrivent. Et lorsque les gens arrivent, OK? Ils voient Jésus, ils voient l'homme qui, depuis des années, on ne sait pas quoi faire avec, il est vêtu. Il a toute sa tête. Il est assis au pied de Jésus. Il écoute Jésus. Être assis au pied de Jésus, c'est la posture du disciple. Donc, c'est un disciple de Jésus. Hein, comme tu vois Marthe et Marie assise dans le récit, elle est assise au pied de Jésus. Et là, ils arrivent, <laughs> quand ils voient ça, ils ont, ils ont peur de Jésus. La Bible dit « ils furent dans la crainte tu ». Sais, on serait porté de penser qu'il arrive, puis il voit un homme qui est un cas désespéré, qui est restauré, puis il dirait « Wow, gloire à Jésus, t'es tellement fort, gracieux, t'es bon ». Non, non, il dit « va-t'en, 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 va-t'en ». Pourquoi? Parce que Jésus est dangereux. Tu ne l'entends pas souvent, ça, dans les églises. Jésus est dangereux. Les gens ont peur de Jésus parce que Jésus est plus dangereux que cet homme-là. Qu'est-ce que je veux dire, Jésus est dangereux? De la même manière, c'est pas moi, c'est C.S. Lewis dans les Chroniques de Narnia qui va dire, Aslan, qui, qui est le dragon, le, le lion Aslan qui symbolise Jésus, qui est une, une allégorie de, de, de l'Évangile, c'est ça, les Chroniques de Narnia. C.S. Lewis, à un moment donné, il va mettre dans la bouche de la petite Lucie, puis elle parle avec M. Beaver, qui, qui est le castor, puis elle va se prépare à aller rencontrer Aslan, puis il dit Aslan, c'est un lion. Puis elle dit Mais c'est un lion, est-ce que. moi j je veux rencontrer Aslan, mais j'ai peur de rencontrer Aslan si c'est un lion, est-ce qu'il est dangereux? Monsieur Beaver répond Évidemment qu'il est dangereux, c'est un lion. Il est dangereux, mais il est glorieux. Voici mon point. Des fois, les chrétiens, on met Jésus dans une petite boîte. On, fait, on se fait un Jésus à notre image. Un Jésus qui ne nous dérange pas trop. Un Jésus qu'on peut contrôler. Jésus n'est pas inoffensif. Jésus n'est pas prévisible, Jésus n'est pas domesticable. Jésus est dangereusement glorieux. Et Jésus est plus précieux que n'importe quoi. Donc, on vient voir, quand on voit l'homme qui est assis, on a peur de Jésus. Mais quand on réalise que y a 2000 cochons qui ont été détruits, on dit à Jésus « Va-t'en, va-t'en! » Pourquoi? OK. T as besoin de comprendre. Pour ces gens-là, 2000 cochons, 2000 porcs. Encore, encore aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est beaucoup de bacon dans tous les sens du terme. Ok 2000 cochons, c'est vraiment, c'est une fortune. Maintenant, ces gens-là ont perdu leur fortune. Jésus est prêt à sacrifier 2000 cochons pour une personne. Jésus est prêt à tout sacrifier pour ton âme. Il y a des gens qui comprennent pas ça. Ils comprennent pas que Jésus est plus précieux que n'importe quoi. Puis il y a des gens, ce qui t'empêche de vivre ce que Jésus a pour toi, c'est que tu es attaché à tes cochons. Tu es attaché à ta, ta vie, à ta chair. Tu ne réalises pas que Jésus a plus pour toi. Hein, il y a un, un pasteur qui, à un moment donné, regarde, il y a très longtemps, regarde au travers de la fenêtre de l'Église, puis il voit un homme qui marche. Puis il y a plein de cochons qui le suivent. Le pasteur est comme impressionné. Waouh! Tu sais, les cochons suivent cet homme-là. Puis cet homme-là s'en va à l'abattoir. Les cochons le suivent. L'homme rentre dans l'abattoir. Quelques instants après, sort sans cochon. Là, le pasteur va le voir et dit hey, Comment tu fais ça Comment tu fais ça Moi, j'aimerais ça avoir ton pouvoir d'influence, de leadership, que les gens me suivent comme ça. Comment tu fais pour convaincre des cochons de te suivre jusqu'à la mort L'homme, il dit C'est simple. Il dit Dans ma poche, il dit, un petit peu, j'ai un petit peu de moulée, puis je leur donne la moulée, puis ils vont me suivre, puis j'amène ça jusqu'à l'abattoir, ils rentrent, on les tue, je recommande. Ne sois pas ce cochon qui, si le diable va toujours te donner ce que tu veux ta petite moulée, va te donner tes, tes petites croquettes, va te donner tes, ton petit plaisir que tu suives, mais tu réalises pas, mais tranquillement tu marches vers ta mort. Jésus est plus précieux que ça. Jésus est beaucoup plus grand que tout ce que tu peux penser et imaginer. Confie-toi en lui, confie-toi en lui. Accepte-le, repends toi adore-le, vis pour lui, renonce à toi-même. Et regarde, j'ai presque terminé. L'homme va aller voir Jésus ensuite, il va dire Jésus, je te supplie, je veux rester avec toi. Je veux rester avec toi. Et la Bible va dire Jésus ne lui permit pas. Encore une fois, on ne comprend pas, mais voyons Jésus. Tu as quelqu'un qui veut te suivre. Non, parce que Jésus a un plan supérieur. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Ce n'est pas que Jésus le rejette, ce n'est pas qu'il n'est pas assez bon, non. Jésus réalise qu'il y a un grand miracle et l'impact de cet homme-là, ce n'est pas de suivre avec Jésus, c'est d'être un témoin de Jésus dans ta maison. Il lui dit, va dans ta maison parmi les tiens et raconte comment le Seigneur a eu pitié de toi. Wow. Jésus est plus important. Vous savez, nous autres, souvent, on a une conception, mais, mais Jésus est plus important. Et Jésus veut faire de toi un témoin dans ta maison. Tu sais, des fois, on dit, moi, je vais le suivre, je vais faire de grandes choses. J'ai encore le ministère. Hein, pour beaucoup d'entre nous, ce que Jésus te demande, c'est soit un témoin dans ta maison, soit un témoin dans ton quartier, soit un témoin. Raconte ce que Jésus te fait au travail, à l'école, dans ta famille. Hein, Jésus a à cœur ta maison. Ce Jésus qui est glorieux, qui est très haut, qui fait un miracle, a à coeur ta maison. Non seulement il veut, il, veut, il veut changer la vie de cet homme-là, il veut impacter sa maison. Il veut impacter ta maison. Il y a une dame qui fait une famille qui fait un, qui fait un barbecue après l'église. Elle invite plein de gens de l'église. Elle invite le pasteur, puis la famille. Puis bon. Et là, il y a un beau barbecue. Et là, juste avant de, de manger, elle dit, bon, on va rendre grâce. Puis elle, elle demande à son, son enfant de 5 ans, est-ce que tu veux faire la prière? Est-ce que tu veux rendre grâce? Tu sais, avant qu'on mange, il dit, merci Jésus pour la nourriture. Dit, non, 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 non. Ben oui, vas-y, non, je ne sais pas comment prier. Elle dit, c'est simple, tu as juste à répéter ce que tu entends maman dire dans la prière. Le petit garçon, il, il se présente devant tout le monde. Puis il dit, OK, je vais prier. Il dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai qu que fait là d'inviter tout ce monde là aujourd'hui? Les gens dans notre maison reproduisent qui on est, reproduisent comment on se comporte. Et le plus grand impact, on peut être à l'église, on peut, le plus grand impact dans la vie d'une personne, c'est à la maison. Et la Bible termine ce récit, se termine en disant tous étaient dans l'admiration. Donc, je ne sais pas pour toi, mais ce récit nous enseigne que Jésus est digne de louange. Adore Jésus. Non seulement suis Jésus, crois lui non, adore-le. Fais de Jésus ton plus grand trésor. Admire Jésus. Venez à Jésus. Fais de Jésus la priorité. Fais Jésus le premier dans ta vie. Tous étaient dans l'admiration. Est-ce qu'il y a des gens encore en 2023 qui sont en admiration devant Jésus? Il est digne. C'est la parole de Dieu pour aujourd'hui.